Lelo bibala fumimi wanita kenga wo. Adema la kafini de mi wani bali wo dioba. Minai kosi wo, minai boko ye. Majali bimeke soka bala we bali fudacho. Adenju kalo bide mi wanita kenga wo. Adenko tika shuti de mi wani bali wo dioba. Minai kosi wo, minai boko ye. Ajali bimeke sobo yo da we bali fudacho. Ne de winsipe ude mi esenje odigi wo boy. Iwo ye mitongo lobi wa mujombo. Asikele ke ote umiti da ubasa wo. Mes ancêtres est descendu au Suriname, cœur de Paramaribo, et après s'enfuit dans la forêt. Et après, combattu pour la liberté. Donc ça fait dire que moi, je suis marron. Le marron, ce sont des nègres qui sont combattus pour leur liberté. Donc nous, on n'a jamais vu l'esclavage. Donc je suis un marron. Et je suis très fier d'être un marron. Ouais. Il s'agit là, si vous voulez, d'un métissage, d'accord, de la culture africaine et du milieu dans lequel cette culture va s'intégrer, va s'incorporer et justement trouver des solutions, d'accord, pour pouvoir vivre dans ce milieu et justement s'opposer aux colons. D'accord. Et non seulement, en fait, leurs consciences sont déjà éveillées puisque ils ont été victimes de l'esclavage, donc ne croient plus en fait aux religions, ou bien ne croient pas à ce que apportent les blancs comme religion, comme connaissance scientifique. Ils comptent sur eux-mêmes. D'accord. Et d'ailleurs, ils n'ont pas attendu l'abolition de l'esclavage pour partir. Ils ont fui de l'esclavage. L'esclavage au Suriname était horrible. C'est la plus horrible des esclavages. Vous voyez, maintenant, il y a des saramacas qu'on trouve sur le fleuve Suriname. Et l'autre grand fleuve, c'est le Maroni. Plus loin, on quitte le Maroni, il y a les branches, Lawa et Tapanaoni. Voilà. Et le nom du groupe culturel, c'est Bushiningu, qui définit, contrairement aux polémiques qui se lancent un petit peu des fois, Bushi veut dire forêt en fait, Nenge veut dire homme, donc les hommes qui vivent dans la forêt, c'est tout. Après, t'as chaque groupe a son nom, t'as 6 groupes dedans, donc ils ont leur nom chacun, il y a les Pamaka, il y a les Njuka, il y a les Matawa, il y a les Quinti, il y a les Saamaka, il y a les Aluku qui sont aussi les Boni, voilà. Donc ils se sont enfuis dans la forêt du côté Suriname. Et les Djuka et les Saramaka, ils ont passé un accord avec les Hollandais. Donc ils ont été... Leur accord, en gros, c'était avoir des... Ils allaient rester sur le territoire, mais ils n'allaient plus être esclaves. Donc on les a laissés rester sur le territoire surinamien. Et Boni n'a pas voulu se rendre. Pour arrêter quand même la guerre, il a fallu qu'il passe des accords. Donc Boni n'a pas accepté ces accords-là. Et lui, il est parti plus haut. Jusque sur le Tapanaoni, avec les Djuka. En fait, les Djuka l'ont poursuivi, en gros, pour les mettre. Non. Et c'est parce qu'il y a sur le fleuve, il y a le bras du Tapanaoni. Quand on arrive à confluent, il y a du côté qui part du côté Aluku et l'autre côté qui part du côté Djuka. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a eu le grand conflit entre les Djuka et les Aluku. Et donc nous, on est partis, nous les Aluku, on est partis plus haut. Et les Djuka sont restés, ont pris du côté Tapanaoni. Et c'est là qu'ils ont... Je crois que oui, c'est là qu'ils ont tué Boni.
les autres sont, les compagnons de Boni sont rentrés plus profondément dans la forêt. Ils sont partis, donc ils étaient alliés aux Amérindiens qui étaient déjà dans la forêt. C'est pour ça que Maripasula est plus proche de Talouane que Twinke et Tekumpata. Jusqu'à la guerre civile du Suriname, les Bushinigi qui étaient français, c'était quasiment des Aloukou. Donc c'est après la guerre et après la division aussi, la création de la commune de Grand Sentier aussi, que les Dukas aussi ont pu accéder plus facilement à la nationalité française. Le tembé, ça veut dire art. Quand on te dit art tembé, on a parlé de deux langues. Art, c'est français. Tembé, c'est Bushinengue, la langue Bushinengue. Donc, quand on dit art tembé, c'est comme si on a dit deux fois art. Mais moi, avec mon peuple, on dit tembé, on ne dit pas art tembé. Tembé, ça veut dire art. Tembé veut dire fait à la main. Ce que tu fais à la main. Tout ce que tu fais à la main, c'est du tembé. Voilà. Ça, c'est la définition propre de tembé. Comme il disait, si on dit art tembé, ça veut dire tembé, quoi. Ça ne définit rien là. Bushinengue tembé. Le tembé des hommes, le Bushinengue quoi. Et là, ça définit un peu plus le style de tembé dont tu veux parler. Voilà. Et donc tembé, chez nous, c'est tout ce qui est fait à la main, mais le style connu, c'est des entrelacements de formes faits sur toile ou faits sur support en bois ou objets usuels aussi. Mais c'est surtout des formes qui définissent des sentiments, transmission de sentiments. C'est un style d'art de séduction vraiment exceptionnel hein, parce que personne n'arrive à définir précisément quand est-ce que ça a été créé. Moi, ma vision par rapport à ma petite étude dessus me permet de dire que ça a été créé dans les périodes de paix, quoi. Et les périodes de paix, c'est pas il y a très longtemps non plus, quoi. Et donc, ça a été créé brusquement, mais les objets usuels étaient déjà façonnés en cours de route. Parce que pour le riz, on en a besoin, on a besoin des grosses bâtées comme celle qui est en haut. Pour pailler, on a besoin de pailler, pas forcément sculpté ou peinte, il n'y avait pas de peinture à l'époque, mais c'était uniquement sculpté, mais au maximum donné de soi pour que les personnes qui observent l'objet utilisé soient émerveillées, en fait, c'était ça un peu le but. Émerveiller les femmes ou encore rendre jaloux les autres hommes qui n'ont pas la capacité de le faire. Et pouvoir avoir le privilège de leur lire cela aussi. C'est un art commun à tous les peuples, tout le peuple Bushinengue. Cette esthétique qui nous invite tous les jours à poser notre regard sur quelque chose qui n'existait pas au temps de l'esclavage. La beauté, le moï, ce n'est pas une valeur qui avait grand cours à l'époque où l'homme était réduit à un bien meuble. Il y a effectivement eu pendant de nombreuses années un crime quotidien contre l'humanité et le marronnage. Sans chercher à savoir quels sont les criminels, on pense que ce sont ceux qui étaient étrangers au beau, n'ont eu de cesse de réintroduire dans la gestualité quotidienne, à travers les outils, les objets quotidiens, ce qui était donc inimaginable au temps de la traite et de l'esclavage, une dimension esthétique à la vie. Le beau n'est pas donné, et c'est pourquoi il faut le faire.
Ma définition à moi, ce que j'ai cru en comprendre à l'écoute et à l'observation de toutes ces personnes que j'ai fréquentées de près pendant très longtemps, que je continue de fréquenter, de plus loin maintenant. Moi, j'ai qu'une étymologie, hein, puisque c'est langue créole qu'il faut étudier, d'où elles viennent d'un point de vue du lexique et d'un point de vue de la formation langagière qui va nommer, hein, de la formation de langue et qui va nommer des pratiques. Rapidement, on le lit, ou la partie vous explique que ça vient du mot timber, du hollandais timber, qui est la charpente, la poutre. Donc, le tembé, c'est l'art de travailler le bois. L'art de travailler le bois. Et si ça vient du mot timber, la poutre, la charpente, je ne connais pas le hollandais, hein, donc c'est ce que j'ai pu en lire. C'est même l'art de travailler le bois dans un but fonctionnel, voilà, sur une pratique fonctionnelle. Mais on sait combien le fonctionnel chez les Lingués est forcément esthétisé, orné, à valeur d'œuvre d'art, comme pour beaucoup de cultures où faire le beau, c'est faire l'utile, et faire l'utile, c'est faire du beau. Les Saramaka, c'est les maîtres du bois. Ça, il n'y a rien à dire. Hein. Moi, j'ai rencontré des gens qui ont castré le bois, quoi, qui, avec un cutter, deux, trois cutters, un petit couteau, une petite scie, un sabre, le gars, il te transforme en tabouret, il te fait un tabouret, un collier, tout sculpté. Parce que c'est les maîtres vraiment de la sculpture du bois. Chacun son style, tout en représentant les mêmes formes, en fait, encore. Par exemple, le Tchobouman, il est représenté à plusieurs reprises dans tous les tembés de toutes les communautés, de toute la communauté bushmengue, ainsi que d'autres, les dents de scie, les dents de poisson, les écailles de poisson, la carapace de tortue. C'est des symboles en fait sculptés en lié dans le bois, mais qui ont une symbolique, chacun leur symbolique assez particulière. C'est des petites formes qu'on va retrouver partout. Moi, j'en ai fait là, sur la pagaie. C'est juste un quadrillage. C'est la représentation en peinture. Voilà. On ne peut pas faire mieux. Sinon, on peut encore faire des losanges, des triangles plutôt. Et ces triangles-là, un peu plus compliqué à peindre quand même, mais c'est normalement sculpté en biais. Voilà. Donc, à partir Richard et Sally, tout comme Uro 20 ans ou 30 ans avant, et à partir des commentaires des artistes eux-mêmes, pour les Price, Richard et Sally, du côté Saramaka, et pour Uro, du côté Lawa, Maroni, ils parlent de style inscrit dans l'histoire, dans la dynamique stylistique des Nengue. Ils font démarrer à partir des milieux 19e, à peu près, un style grossier archaïque, comme selon les termes employés, hein, où on trouve, mais moi j'ai pas bien étudié ça dans le détail, où on trouve en œil de hibou, parce qu'il y aurait ces premières formes rondes comme ça, des ovales, des pièces, et moi que j'ai retrouvé dans les tenons de mortaise des bancs, et le tenon fait office d'œuvre, puisque le tenon produit déjà un dessin qui va se retrouver à travers le bois. Ça, c'est pour le cas des bancs. Effectivement, le tenon, il a cette forme dite en œil de hibou. Et après arrive la volute, à partir d'un désir de représentation anthropomorphe ou animale. Donc la volute apparaît comme une excroissance des bras et des jambes, des membres, qui vont d'abord faire une espèce de circuit simple. Et puis dans les années 20-30, donc qu'on va dire en queue de quata, et c'est vrai que ça c'est confirmé par les artistes, les vieilles personnes qui parlent de ce style en queue de quata. Et puis après, il y a un entremêlement du ruban, le ruban passe l'un par-dessus l'autre. Donc c'est trois rubans, posés l'un sur l'autre. D'ici la banque. Ici. Et d'ici, la tembe fait 6 fois banque.
ma atembe de taki omen neng atembe nabi furu neng nesma taki fade wan ma notu na atembe nabi furu neng na yeme ku amo isani poti abi bo pado abi tembe abi neng ma disi nabi neng ade kounu amo isani imeki ipoti adisi mbe meke special ano alami meki somoi mambe meke le kwang kwang kado kande mi bo seren me kwang kado yuan sama disi etapo abane gwaene ala chose facile disi mi desne kwang boto a machine bikami bere boto na boto san bere ne mi desne ya voilà les moitaki. Les moitaki, les belles paroles, inscrites, donc ce sont des signes toujours les mêmes qu'on retrouve. Donc alors de mémoire, je crois bien que Daïouman, c'est là la femme volage. Conventionnel, des signes conventionnels, je cherchais le mot de conventionnel. Donc Oufeno va souvent faire la femme volage ici. Awakafro, Awakauma. À moins que ce soit celle-là, je ne me souviens plus. Mais de toute façon, ces interprétations, elles varient d'un auteur à l'autre. Hein. Un auteur dira que voici la femme volage, et l'autre dira que c'est celui-là. En se disant l'un l'autre qu'il sait, qu'il ne sait pas, qu'il est menteur, qu'il raconte n'importe quoi, en voulant être les premiers. Alors d'autres qui sont beaucoup plus, voilà, attache-toi un Mac près de moi un Mac. Voilà, on est dans l'amour galant, voir la grivoiserie, le baiser craché, recraché. Après il y a des sens un peu obscurs. Donc là oui, on est dans ces petites. Maintenant qu'on voit il y a dedans. Un couple en train de faire l'amour, comme Huro nous en a tellement rabâché les oreilles en voyant du sexe partout. Alors là, si je vois deux sexes ici, une histoire de copulation ici, avec une fesse, une deuxième fesse, donc c'est le Kyangifutu, la figure s'appelle Kyangifutu, elle est assez commune. Effectivement, on peut imaginer, un fantasme à l'appui, les cuisses dodues d'une femme qui est couchée, donc voilà les fesses de la femme, ces belles cuisses bien dodues, avec qui continue ici. Petite fesse quand même. Et l'homme par-dessus, bien sûr, et une fornication ici au milieu. À un moment, je travaillais en forêt, donc j'ai eu l'occasion d'apprendre à faire ce qu'on appelle pour effeuiller le riz. D'accord, ça veut dire qu'une fois qu'on avait pilé le riz dans ce récipient pour enlever la pelure pour l'effeuiller, c'est ce qu'on appelle ça en Bushinenge Tongo, thé, ça j'ai appris à le faire. Ça fait longtemps que j'en ai pas réalisé d'autres. Mais quand j'étais en forêt, j'en avais réussi à faire pour les membres de la famille, hein, ma tante, ma mère, les sœurs. Je pense que j'avais fait au total une 12. J'en avais fait 12 que j'avais distribué à la famille comme ça. Tout ce que les hommes ne pouvaient pas exprimer à leurs femmes, ils se sont mis à les exprimer d'abord sur des objets sculptés. Et les femmes immédiatement aussi. Sur des broderies, des coutures de toutes sortes, des façonnements d'objets aussi féminins, comme les calebasses. Exprimer ce genre de mélange de sons, en fait, les entrelacements des formes représentent des relations. Et ça parle beaucoup d'amour, en fait. Certains parlent de guerre, de ci, de ça. En fait, les symboles pour parler de guerre, c'est plus une écriture ancienne qui s'appelle la faca.
C'est une ancienne écriture. L'artembe n'a rien à voir dedans. L'artembe, c'est plus décoratif, transmission de sentiments, en fait. Les calebas, ce sont les femmes. Ce sont les femmes qui font des dessins sur calebas. L'homme, il va jusqu'... Je pense qu'il y a les calebas. Mais après, c'est la femme qui fait les calebas. Pour faire le calebas, il faut du feu, il faut faire bouillir les calebas, il faut les sécher, il faut... Ça prend du temps avant de pouvoir les dessiner. Et tout ça, ça prend énormément de temps. Donc, il faut vraiment avoir le temps. Et quand on est au village, on peut le faire sur une semaine, un mois. On peut le faire même si c'est accordé une heure ou deux à cette activité-là. On peut le faire. Mais quand on n'est pas au village, quand on n'est pas là où ça se fait, c'est pas possible. Et avant, les calebas servaient de récipients. Servaient de bols, servaient de pots. Donc, ce sont les femmes qui ont toujours maîtrisé cet art. Mais... une femme à Louku va faire une calebasse, une femme par Ramaka, une femme Djouka. Ce sera une calebasse, mais il y aura des petites différences parce que c'est. Chacune apporte quelque chose de chez elle, quoi. Donc, mais ce sont les femmes qui font l'art sur la calebasse comme l'art sur Pangui. À la base, les cadeaux qui étaient offerts bon, chez les Bushiningé, tu avais des objets traditionnels déjà, le tembe à la base, les objets usuels qui étaient offerts aux femmes, et chaque objet a sa définition. Mis à part ce qui est gravé dessus, chaque objet a sa définition propre. Donc, quand on offrait un peigne, par exemple, un peigne afro, comme j'en ai là, à une femme, c'est pour dire à la femme de te garder, tu lui demandes de te garder dans ses pensées, en fait, le plus près possible. Donc, tous les jours, elle va se coiffer, elle va planter le peigne dans les cheveux. C'est l'objet relique, en fait, l'objet représentatif du sentiment. Ça ne se dit pas « je t'aime ».« Je t'aime », ce sont deux mots qui, déjà, rien qu'à les dire, ça donne un petit peu l'impression qu'on a fabriqué la chose, en fait. Mais l'amour ne se fabrique pas. L'amour s'offre en fait, ça se ressent, ça se sent. Et quand un objet arrive à représenter ça pour des gens, comme la bague ou autre chose, l'alliance en fait, qui est une représentation de ce qu'on partage ensemble, ça a beaucoup plus de valeur que de mots en fait. Tous les lots vont offrir quelque chose, mais après, entre eux déjà, ils vont se réunir pour savoir qu'est-ce qu'ils vont offrir au grand monde. C'est pas chaque personne qui va décider, ah, moi je vais lui offrir un pack ou moi non. Ils vont déjà entre eux lots savoir que ok, ce lot-là va donner ça. C'est pas au jour que vous allez arriver que c'est telle personne qui décide de lui donner un pas, non. Ils savent déjà en avance que c'est ça qu'ils vont lui offrir. La question de l'artisanat fait à début commercial en série, qui n'aurait pas la même valeur que de l'art, art et artisanat. C'est différent et c'est que nous, auxquels on ne s'attache pas du tout et qui n'ont pas de sens et pas de valeur.
ces hiérarchies artistiques et artisanales. Quand je vois ce travail-là, fait par un artisan de bord de route, et il va vendre ça, il va en faire une canne après, il va en faire peut-être en modèle réduit, ce petit caïman, il va en faire une petite cuillère pour touiller le rhum, le punch. Sauf que cette forme qu'il a élaborée, elle est profondément originale. C'est une création d'un grand intérêt plastique. Et il en a sorti 3 comme ça. Il y a des variations à chaque fois. Il ne produit pas 10 fois la même. C'est-à-dire on a bien là 3 variations sur les formes. Et c'est une très belle forme. Alors si maintenant j'en fais une œuvre gigantesque, que je la signe d'un auteur artiste, plasticien, etc. Et que je lui crée un discours et tout, voilà, elle aura accès, elle aura droit à son statut d'œuvre d'art contemporain. Par exemple, un timbé peint, c'était pour décorer la maison, avec des messages. Donc le timbé, c'est pas uniquement la beauté. Chaque tableau, chaque figure sculptée ou peint, a une signification. Par exemple, je peux souhaiter le bonheur à ma sœur ou à ma mère avec des symboles bien précis. Le sculpteur hors ruban, hors circuit, va remplir avec de la couleur. Et après, j'imagine que la composition, non plus sculptée mais gravée, comme dessinée, qui va remplir des portes de maison, des façades de maison et entièrement des palettes de pagaies, va être entrepris à la couleur, à la peinture. Chez les marrons de l'Est par rapport à apparemment toujours, Aluku, Pamaka, Njuka, Kotika, Njuka, Tiapanaoni. Alors que les Saramaka, eux, effectivement, recherchent cet effet coloré avec des bois de couleur sur leur façade de maison et sur les sculptures. Ils ne vont pas utiliser la peinture glycérophtalique du comptoir. Moi, je commence à faire la peinture juste après le retour. Je fais, bon, quand ici, nous faisons des trucs traditionnels, la maison, les cases, des trucs comme ça. Mais lorsque j'ai été 18 mois, comme je t'ai dû parler, que j'ai été emprisonné, je fais des catalogues à l'intérieur de la prison parce que je n'ai rien fait d'autre. Donc, j'imagine, j'ai dit, bon, je commence lorsque je suis de retour au pays, je vais faire ça, 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 ça. Et puis, lorsque je suis venu, j'ai réalisé des 12 premiers feuilles que j'avais fait à la prison. Et puis je fais l'expo. Je descends à Cayenne. Le timbé de noir marron, c'est une imagination du marronnage. Mais ça existe partout où vous trouvez des marrons. Mais c'est quelque chose qui a été négligé. Les gens étaient hontés justement de faire montrer leur savoir et savoir-faire. C'est ça justement. Moi j'avais porté du courage. Ce passage du siècle a été pour nous l'occasion de rassembler des peintres qui ne se connaissaient pas forcément entre eux, mais surtout selon des écoles bien différentes. Car dans les années 50, 60, 80, des écoles de style se sont découvertes dans toute la vallée. Et nous avons essayé de sélectionner, oui, le terme est choisir, si vous voulez, des représentants de chaque école. Donc l'école de notre fondateur, M. Antoine Lamoraille, c'est l'école d'Apatou. L'école du Tapanaoni, l'école d'Apambaï, qui était un des très très grands timbreman des années 60, dont beaucoup d'œuvres subsistent encore ci et là. Nous avons choisi des timbrés de l'école de Dasséder, qui est l'école Pamaka, qui est peu connue parce qu'elle est passée que très tardivement au cadre, mais elle s'illustre beaucoup sur les pagaies, les avancées de pirogues. Donc les
Tembe, Man, de Dasseder ont été pris à Mamabobi sur commande afin de pouvoir se limiter à des cadres particuliers, ce sont des cadres, des carrés, enfin des rectangles, ces formes-là, mais en exprimant tous les symboles que l'école de Dasseder a mis en place entre les années 70 et il est mort en 90 ou 12, je crois. Et puis, sur Saint-Laurent, on a découvert des jeunes artisans qui faisaient des tout petits timbés, comme on en a ici. Et qui nous ont paru, parce qu'il y en avait énormément, énormément. C'est un peu, c'est celui qu'on vient de voir, là, Adjantou, qui a répondu au défi de Mamabobi de nous faire des dizaines et des dizaines et des dizaines de timbés qui, en vérité, chacun était différent, mais tous exprimaient ou tendent à exprimer cette relation dont je viens de vous donner les clés, qui est de juxtaposer, de superposer les contraires, les opposés, dans une dimension de complémentarité qui doit toujours être jubilatoire. Nous avons décidé de créer l'association Libinawa avec les trois identités, Samaka, Djuka, Boni. Et nous avons réfléchi ensemble et de dire que, vu la conjoncture économique de la Guyane, les parents ne pouvant plus amener leurs enfants dans leur pays respectif pour apprendre leur culture, nous avons fait venir la culture à eux. C'est comme ça est née l'association Libinawa. Ben, avec l'université de Grenoble, on voulait faire aussi aller plus loin et de faire un mélange de choses. Et par la suite, nous avons changé aussi, nous avons créé aussi une école de bénisterie d'art qui a permis aussi de jouer sur le deux, en même temps fabriquer de la bénisterie et ajouter ces motifs du timbé. 1996, c'est vraiment l'année qu'on a commencé à travailler sous les deux, bois étoile. Il y avait d'autres artistes aussi, je n'étais pas le seul. Tout ce que j'ai su, moi j'ai commencé la toile, c'était une matière qu'on utilisait en métropole. Et j'ai vu, j'ai testé, et puis ça m'a plu. Mais la toile, c'était un support qu'on utilisait en métropole. Et en Guyane, il y avait un certain magasin qui vendait la toile, pas pour les timbémans, c'était pour des gens qui peignaient en Guyane, comme ça, qui sont originaires de la métropole, par exemple. Et puis, j'ai vu ça sur une peinture de monsieur, j'ai dit, bon, ok, je vais essayer. Je ne sais pas si je suis le premier, hein. Mais après, j'ai découvert qu'il y avait d'autres artistes qui ont commencé à travailler sur la toile aussi. Un pangui, c'est une tenue traditionnelle. C'est un bas. Le pangui, c'est pas le haut, c'est un bas. Le pangui basique, ça s'utilise dans la vie de tous les jours. Tu mets ton pagne, comme moi là, j'ai mis un pagne, mais je l'ai recousu ici. Donc normalement, ça se met au niveau des reins. Ça se met pas en haut. Et sinon, les jolis pagnes, ce qu'on court à la main, ça se mettait à de grandes occasions. Et maintenant, sinon, le pangui, c'est notre tenue de tous les jours. Pour mieux vous montrer un petit peu plus comment ça se présentait avant, que c'est vraiment des croix, des points de croix, et que maintenant, quelque chose comme ça, on ne le fait plus. Maintenant, on rajoute, déjà, c'est, comme je vous avais dit, c'est plus le même type de fil. Là, c'est de la laine maintenant. C'est beaucoup plus... par exemple, là, on ne voit même plus que c'est des points de croix. Tellement que c'est... Là, c'est de la laine et là, c'est du coton. Et là, on ne voit pas que c'est des points de croix. Mais pourtant, c'est toujours le même principe, les points de croix. Ce qu'on faisait nous sur les pannes, c'était de la couture, mais c'était pas du timbé. Mais maintenant, on a repris ce que les hommes faisaient sur les pirogues, sur tout ce qui était représentation en bois. On l'a repris et on a transcrit sur les pannes. À partir de quand on a commencé à faire vraiment le timbé sur les pannes?
on va dire, il y a 10 ans. Tout ça, là, ça a des significations. Mais je ne saurais pas dire que ça représente quoi. Mais après, une fois que j'ai fini de coudre mon pagne, si je veux, je peux lui donner un nom. Je l'ai nommé Moyoumang. Ça veut dire belle femme. Voilà, pour moi, c'est cela que ça représente. Mais après, peut-être pour un homme qui fait de l'art timbé, ce ne sera pas la même signification, que chaque truc représente quelque chose. Tout est esthétique et l'esthétique est dans tout. Donc comme un fondement esthétique total des cultures matérielles nengue, qui devient une culture artistique très forte. Il y a deux possibilités. Soit nous, les Bushinengue, on prend des choses en main nous-mêmes, et puis on garde ça pour la communauté Bushinengue. Comme ça, de toute façon, il y aura des jeunes, des personnes qui vont continuer. Deuxième solution, avec l'aide des élus locaux. Nous, les artistes, ce qu'on avait proposé, c'est que l'éducation nationale française embauche les artistes bushinengue pour enseigner l'art timbé. Il faut qu'il y ait une classe pour ça, et en permanent, comme le maths, comme le français, comme la géographie. Il faut considérer le timbé comme une matière. Sans cette statut-là, on ne peut pas faire la transmission comme ça aux jeunes. Vous voyez? Donc maintenant, on attend. Et ce qu'on fait, on continue à faire nous-mêmes le peu de nous qui reste. On continue à travailler, on fait notre culture. C'est la maison, c'est la beauté. Pour lorsque la personne se paraît, tu veux, la maison est beau. Moui. Et ce qui est moui, c'est ce qu'on aime. Et ce qu'on aime, c'est là qui fait partie de l'amour. C'est pas l'amour de sexe, moi c'est aimer de cœur, aimer. Mi lobby.